qui ont dit qu'ils se sont réveillés puis qui ont vu la Lady in Black au bout de leur lit. Elle aurait été tuée pendant qu'elle était enceinte. John McIntyre. Le fantôme d'un jeune garçon blond. Encore deux moves comme hier quand on était dans sa tour. Ghost tours are especially busy this time of year, and there's a popular one in Kingston, Ontario. But yeah, it's safe to say I've had a lot of paranormal experience. Kingston is supposed to be one of the most haunted cities in Canada. Some even saw the shadowy form of a woman drifting down the hall. Cette maison n'était pas comme les autres. Une silhouette à l'apparence humaine dans la cuisine. Oh, included ghost hunters in 2009, who said it was one of the creepiest places they had visited. Honnêtement, à date, First Look, live, tout a l'air fucking hanté à Kingston. Oh, bro! Ok, dude. Ok, yo, so, on vient d'arriver à Kingston. Fait que, on s'est parké un peu plus loin, puis on s'est dit qu'on allait faire un petit tour de la ville pour montrer un peu les spots hantés aussi qu'on connaît à Kingston. Fait que, on va faire ça en même temps de se rendre au Schlagoin. Bro, c'est le rêve, là. T'achètes une maison de même, puis elle est hantée, puis après ça, tu fais juste comme un channel au complexe et ta maison qui est hantée, là. Et ça, le Prince George, là, c'est le Haunted Walk qui est là. Mais ça disait que c'est une autre place, qu'il y a une Lady in Black aussi, puis qu'elle roam around, puis que le monde y voit dans les chambres, dans les couloirs, puis tout. Fait que peut-être que, genre, le Lady in Black, c'est comme pas juste le fantôme de comme Oshlagan, c'est peut-être le genre de fucking la mort de Kingston, man. Genre, c'est pas, genre. Ben ça c'est weird parce que ça c'est fucking hanté aussi, mais on peut pas y aller parce que c'est juste lock pour le haunted walk. Throwback. Ave Maria. Pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa. Fuck, pourquoi on peut pas rentrer, dude? C'est sick, man. Faut peut-être faire le fourche langue, genre. Arrache. Ouais, fait que ça c'est le Frontenac Courthouse. C'est une autre place qui est vraiment réputé pour être hanté à Kingston. Il faisait des pendaisons publiques puis tout ici. Là. Fait que c'est vraiment. Il doit y avoir des centaines ou des milliers de personnes qui sont mortes sur la place publique. Puis on le voit pas, là, mais il y a comme des grosses maisons victoriennes avec des tours. Puis c'est juste des tours de vue, dans le fond. Tu as des vitres, tu vois 360. Puis la légende dit que ceux qui étaient vraiment riches se faisaient faire des tours pour pouvoir regarder les exécutions de chez eux, tu sais. Fait que c'était comme. C'est une autre époque, là. Le monde était hyper sadique. Allô? Any ghouls? J'entends respirer. Dans le fond, la maison, le Oshlagoin où on s'en va, ça a été bâti, mais fin 1800 par John McIntyre, qui était un gros avocat ici, un des plus riches de la ville. Puis il a fini même par devenir le maire de Kingston. Puis c'est ça, il y avait vraiment la réputation d'être hyper corrompu. Puis dans le fond, le nom Oshlaga, ça vient d'un ancien village qui était sur l'île de Montréal, un village iroquois, des Indiens iroquois. Puis Oshlaga, dans le fond, ça veut dire Beaver Dam, qui veut dire barrage de castor. Fait que le nom de l'hôtel vient de là. Le Oshlaga Inn, dans le fond, il fait partie, c'est un stop sur le Ghost Tour. Il y a plusieurs hantises qui se passent entre les murs de ce manoir-là. Le fantôme le plus populaire qu'on retrouve, c'est la Lady in Black. La Lady in Black, personne qui sait qui elle est. C'est juste une femme qui est vue dans les couloirs du manoir et qui est vue aussi dans les chambres. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils se sont réveillées puis qui ont vu la Lady in Black au bout de leur lit. Il y a aussi, comme hauntings, il y a des enfants. Le monde peut entendre des enfants jouer, pleurer, rire dans leur chambre. Il y a même une femme qui était venue dans une des chambres de Schlager Inn puis elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit parce qu'elle pensait qu'il y avait une de ses filles qui était au pied de son lit puis qui disait qu'il fallait partir de l'hôtel.
Mais quand elle s'est réveillée le lendemain et qu'elle a demandé à ses filles ont dit qu'il avait aucunement été dans sa chambre. Et aussi, un autre des enfants, des enfants morts, des fantômes qui est très populaire au Hochelaga Inn, c'est le fantôme d'un jeune garçon blond. Il est aperçu dans les couloirs et dans les chambres aussi. Fait que ça aussi, on n'a pas plus d'informations sur ces enfants-là, serait qui. Donc peut-être c'est ça qu'on va essayer de découvrir ce soir. Qui est la Lady in Black? Qui sont les enfants? Si c'est vrai ou si c'est pas vrai en fait aussi. Alright yo, let's fucking do this. Creepy factor. Petit chocolat chaud. Un petit eau, un petit thé. Tu veux prendre le thé avec Lady in Black? Trop nice, hein? Like third floor in Italy. 301? Where is that fucking Lady in Black? Comment tu feel? C'est ça, depuis qu'on est rentré dans la chambre, c'était comme correct. Puis là, on monte en haut dans la tour, dans le fond, qui est comme un genre de grenier. Puis les deux, on se regarde, puis on était comme hyper étourdis. Puis là, ça fait comme 20 minutes, là, puis genre, on dirait que je vais m'évanouir, là. Je suis comme hyper... Ouais, no joke, l'air est genre... est fucking lourde. Puis tu sais... Qu'est-ce qu'on vient d'aller comme partout, puis genre, tu sais, on part de chez nous, tout whatever. C'est pas comme, tu vois, la place, l'air est lourd, on dirait que genre l'énergie comme bizarre. On feel comme étourdi, genre mini Nora. En tout cas, c'est fucké, man. Mais genre, les deux, on savait même pas regarder. Puis là, ben, les deux, on a fait ça, mais après ça, on regardait, t'es comme, tu feels too weird, genre. Vraiment, oui. Petit genou faible, genre. Ah ouais, pis dude, quand on est monté en haut, justement, genre, j'ai eu un petit frisson dans le nuque, genre. Tu sais, c'est comme ça peut être rien. Quand t'es parti aussi, dude, je me sentais fucking, genre, observé, man. C'était vraiment bizarre. Ouais, c'est weird, man. Mais ouais, first look, vraiment weird comme sensation. J'ai jamais eu ça, honnêtement. En fait, je vais juste expliquer un peu comment ça va se passer, parce que ici, c'est sûr que là, on n'est pas au Québec. On est en Ontario, qui est principalement comme une province anglophone. Fait qu'on imagine aussi que les fantômes, ça doit clairement plus être des fantômes anglophones que francophones. Fait qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de poser des questions tout en anglais, puis après ça, mettre les sous-titres, je vais poser les questions en français, puis après ça, je vais les poser en anglais direct. Fait que pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous allez avoir les questions que je pose en premier, puis après ça, je vais les poser en anglais. Fait que demande-toi pas que je dis après, c'est exactement la question que je viens de poser. C'est tellement écho. Fait que ouais, je vais mettre le motion tune en haut. Ok, bon, fait que on va aller setuper le deuxième shoot. Ici, ce qu'on va mettre sur le lit, c'est la catball. Je vais juste l'installer comme ça de même. Je vais l'allumer. Fait que s'il y a quelque chose qui touche autour du lit ou qui touche à la balle, elle va allumer. Fait que ce qu'on va allumer comme dernière affaire de champ électromagnétique, c'est le REM pod. Fait que là, je l'ai allumé si quelque chose allait proche de lanterne. Oh. On va se présenter, on va dire un peu pourquoi on est ici. Je me présente Mike. Moi, c'est Gab. Gab, on essaie tout le temps de rester poli. On est ici au Hochelaga Inn pour communiquer avec les esprits qui sont restés ici ou qui pourraient être pris dans cette demeure-là. So, first, let me introduce myself. My name is Mike. I'm Gab. We are here to communicate with the spirit that may be trapped in the... Ok, ouais, ça vient de sonner. Faut que tu sois ici, là. Dude, that's fucking weird, man. Est-ce que vous pouvez venir proche des marches encore? Can you come near the stairs again?
t'asseoir ici, tu peux venir proche de moi. I'm gonna sit here, can come close to me. Si c'est un enfant qui est parmi nous, est-ce que tu veux aller toucher la table là-bas? Ça va faire de la lumière. If there's a child with us, do you want to go and touch the ball right here on the bed? It's gonna light up. It's pretty fun. C'est rare que tu demandes à des enfants de toucher tes boules. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse ce que tu avais dit? Tu veux-tu qu'on allume le Ovilus, essayer de voir s'ils veulent communiquer avec des mots? On peut essayer. Ouais. Bon, fait que ce que j'allume là, c'est le Word Generator. C'est le Ovilus. Donc, s'il y a quelque chose qui veut communiquer à partir du white noise et des ondes, ben, ça va créer des mots. Qui est-ce qui hante les lieux ici? Who's haunting the room? Jordan? C'est qui Jordan? Who's Jordan? Est-ce que t'es un adulte ou un enfant? Are you a man or a child? Est-ce que c'est toi qui a déclenché le rampod tantôt? Is it you that touched the rampod right here? Move it. Est-ce que t'essaies de bouger ou tu veux que nous on bouge? Are you trying to move or you want us to move? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une lady in black ici? Is it true that there's a lady in black here? Toi aussi, ça disait rien comme quand ça a dit no au boléro, genre le silent, pis genre fuck off. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur le chandail de Gab? Can you tell us what's on Gab's shirt? Si tu vois pas assez bien, tu peux juste prendre un guess là. Bird. Ah yo, ça a dit un animal, là. Mais c'est quand même un animal, là. En 1800, il n'y avait jamais vu de kangourou, un petit gars de 9 ans. C'est vrai, dude, c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, je me sens tellement bizarre. Genre comment? Je sais pas, la tête qui tourne. C'est... Dude, en haut, c'est weird le vibe, man. C'est tout le temps là qu'on devient fucké. Ouais. Ok, fait que qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire une session de Spirit Box. Ready pour le merveilleux son de la Spirit Box? Ouais. Is there anybody here that want to communicate with us? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer? Est-ce que tu parles français ou anglais? Do you speak French or English? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir en haut avec nous? You want to come upstairs with us? C'était à qui que ça appartenait ici? La tour, c'était la chambre de la robe, c'est quoi son nom? John McIntyre. Okay. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du owner de la place? Can you tell me the name of the owner? On va s'allumer le hobby de ce moment. On a eu quand même des bonnes petites réponses avec ça. Je sais que ici, moi j'avais lu que c'était. Tu sais, il était ici. C'était où que John, c'était son bureau. Puis il venait faire des papiers ici, puis il regardait souvent par les fenêtres ici. Are you here with us, John? Est-ce que t'es ici avec nous, John? Oui. Out. Ok. T'aimes pas ça qu'on soit là? You don't like it that we're here? Ah, lui, c'est tellement étonnant ça. Oh. Ouais, 100%. C'est chaud, là. Disturbing. Like I said, are we disturbing you?
détruit, man. Je te dis, je serais pas capable de parler. Je cherche mes mots, man. Je cherche mes pensées. Ben, on peut sortir un peu, man. Fait que. Là, on file genre semi, tu sais, genre des étourdissements un peu l'air, man, pour vrai, là, depuis, c'est ça qu'on arrête pas de dire depuis qu'on est arrivé, l'air est fucking lourd, on est comme lightheaded un peu, c'est vraiment bizarre. Pis dude, comme moi, ce gars-là, c'est le gars qui est tout le temps prêt au fucking combat, là, dans le sens, j'ai jamais vu de même, honnêtement. Ouais, je file pas depuis que je suis rentré, là, ouais. On peut-être rester dehors une quinzaine de minutes, là, juste prendre l'air pis boire de l'eau un peu, fait que, on va fermer ça. Bro! Non, pis quand je l'ai seté tantôt, c'est que s'il y a quelque chose devant l'escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant les escaliers ou qui vient de monter au deuxième? Is there anybody in front of the ladder? Or that's upstairs right now? Bon, on va aller prendre notre break, man, puis on va revenir. J'ai l'impression que live, c'est peut-être pas genre tellement hanté, mais c'est fucking d'énergie, genre résiduelle, là. Et c'est même pas de la peur, exemple. Tu sais, tu rentres non. Pas là, puis t'as peur. Exact. Tu rentres là, puis tu te sens mal, genre, instantanément. Ouais, là, exactement, man. Exactement. Ça, c'est encore plus weird, on dirait du même. Alright, on a décidé de laisser un break à la chambre parce que c'est fucking low. Là, on vient d'aller prendre le break, t'sais, aller chercher de quoi manger, mais on a comme réalisé. On va aller enquêter au courthouse, la place où que, t'sais, les gens seraient fait pendre pis tout, pis qu'il y aurait peut-être d'activité paranormale là-bas. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une session de EVP. Une session de EVP à distance. Fait que moi, je vais laisser ça allumé sur le lit. Fait que s'il y a quelque chose pendant qu'on est parti qui parle dans le gadget, dans l'appareil, on va l'entendre quand on va revenir. On savait qu'il y a des, tu sais, il y a des hantises d'enfants ici. Fait qu'on s'est dit, on va apporter un petit trigger object. On va apporter un jouet pour enfants. Fait que si y a des enfants, si des fantômes d'enfants qui ont le goût de jouer avec le jouet pendant qu'on est parti, c'est un petit chat. Puis il est vraiment simple, là. Si on pèse. Si on pèse ses notes, ça fait du bruit. Si on pèse ici, ça joue une chanson. Ici, ça fait quelque chose d'autre aussi. Puis on va laisser le motion tune aussi. Là, tu peux voir, on l'a mis juste ici. Fait que s'il pompe pendant qu'on est parti, ben le EVP il va le catch. Sur ce, man, je passe ça, puis on y va. C'est la cadeau qui était là-dessus qui est tombé, mais j'ai rien pris. Fuck dude! Tu fumes-tu? Ouais. Pourquoi est-ce que on s'en allait? Puis ok check. J'ai pris l'iPad. Bro, c'est parce que je l'ai mis ici pour pas qu'elle collisse le camp. Ouais. Ok, bon ben, let's fucking go, man, I guess. Alright, on est au courthouse. Ici, comme on avait raconté au début du vidéo, c'était une place où, selon les dires, il y avait eu beaucoup de pendaisons et des exécutions publiques. Fait qu'on va essayer de voir s'il y aurait des esprits ici qui voudraient communiquer avec nous. Alright. Is there any spirit here that wants to communicate? Y a-t-il des esprits ici qui veulent communiquer? Nope. Nope. You don't want to talk to us? Tu veux pas nous parler? Est-ce que ton esprit est encore pris ici? Are you trapped here? Est-ce que tu peux me diriger vers où les pendaisons ont lieu? Can you show me where the hanging took place? Ouais, ils sont plus durs à capter en anglais. Fucking, hein?
Ça, c'est des sons. Ouais. Ouais. Hey, mais tantôt, on a demandé une direction, puis ça a dit right. Je me demande c'est à quel moment. On va aller voir si t'as vu. Bro, ça, c'est pas nous, ça capte à même pas un pied. Ça va-tu dans le, ouais, ouais, dans ouais. le alley? Ouais. Ok, on a trouvé une petite alley qui est réputée pour être hantée à Kingston. Dans le fond, ça serait à la fin des années 1800. Il y a une femme qui s'appelait Teresa Beam. Puis elle aurait été tuée pendant qu'elle était enceinte. Puis il y a beaucoup de monde qui ont dit que dans la petite alley ici, ils ont vu un fantôme. Il y a un shop ici à côté. Puis le propriétaire de la shop, il disait qu'il entendait des grattements, des cognements tout le temps. Puis il a fait une séance de Ouija. Puis apparemment qu'il aurait eu un contact avec une femme qui s'appelait Teresa justement. Puis elle disait qu'elle avait été enterrée sur le terrain ici, un peu à l'abandon dans le fond après son meurtre. Puis qu'elle cherchait l'endroit où elle avait été enterrée. Puis tous les témoins aussi qui ont vu ici une femme habillée en noir style victorien, il y en a même qui se sont faites parler par ce genre de spectre-là, puis qui disait « Help me find my bones », donc faut aidez-moi à trouver mes ossements. Ce qui roam around here, c'est comme aussi une lady in black. Puis là, ça fait que y a un spot, il y a une lady in black, il y a Oshlogan qu'on est, il y a une lady in black, ici c'est une lady in black, fait que est-ce que ça se pourrait que, en fait, la lady in black, ça soit Teresa Beam, puis qu'elle se promène de place en place pour essayer de contacter le monde pour trouver ses os, genre? Fait que, ouais, on va essayer d'avoir des réponses à ce fucking mystère-là. C'est dit que la lady in black d'ici, peut-être Teresa Beam, se promène dans le alley. Fait que s'il y a quelque chose qui croise le chemin du Rampod, on va peut-être le savoir. Oh. Bro, il a jamais fait ça, c'est comme si quelque chose était à côté. What? Hey gros, les shit, il fait fou, man. Est-ce qu'on peut parler avec l'esprit de Teresa Beam qui est censé hanter le pathway ici? Can we talk to the spirit of Teresa Beam that is supposed to be haunting the pathway here? Et on veut vraiment t'aider à trouver tes os, mais faudrait que tu nous le dises. Qu'est-ce que tu cherches? Clairement, tu cherches pas d'eau. Teresa, are you here? What are you looking for? Qu'est-ce que tu cherches? Ok, ouais, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est over. On va fucking juste dormir. Mais on a le caméra Night Vision qui va être sur Motion Detector. Fait que là, s'il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit, du mouvement, peu importe si ça va allumer, ça va capter ce qu'il y a. Puis on va se laisser aussi le Motion Tune allumé. Parce que souvent, allumé en bas des marches, c'est assez bizarre. Puis on va laisser le REM pod aussi. On va checker si on laisse d'autres affaires, mais pour l'instant ça va être ça, puis mon cerveau est en jello. J'ai jamais été de même en place, honnêtement. C'est depuis qu'on est arrivé, ça puff l'énergie, genre. Fait que that's it. On se voit demain. Alright, lendemain matin. How was your night? Ouais, c'était. Pour vrai, j'ai bien dormi, mais il y a une couple de fois que j'entendais des bruits weird puis que je me réveillais, on voyait ma petite. Ouais, là, c'est ça, on a eu le night vision toute la nuit. Je pensais que ça prenait des vidéos, mais ça snap des photos. On voyait la petite tronche à gaffe des fois, genre, regarder dans le noir et entendre des bruits. Moi, man, j'ai dormi comme un bébé. Mais il y a une affaire vraiment bizarre, c'était une grosse tache blanche au bout du lit. Fait que, yeah, est-ce qu'on a catché comme une genre de lady in black au bout du lit, man, je sais pas, ou une grosse tache blanche, whatever it is, man, c'est bizarre, c'est gros pis c'est au pied du lit. Alright, on est au cimetière de Cataraqui, c'est ici que John McIntyre, le owner du Hochelagoïen, est enterré. En fait, on va essayer de trouver sa tombe pis poser des questions. On aimerait ça savoir toutes les émotions négatives puis tout, si c'est relié à lui justement parce qu'on était dans sa chambre, dans son bureau et tout, fait qu'on va essayer d'y demander. Ils disent que les cimetières, c'est pas nécessairement des places vraiment actives parce que
les âmes, les corps sont dans le repos, genre. Fait que c'est pas nécessairement les places où tu vas catcher vraiment des gros phénomènes paranormales, genre. J'ai dit, c'est juste bizarre de voir toutes ces... dans le fond, tous ces noms-là sur des roches. Il y en a qui sont effacés comme par la pluie puis par le temps. Puis tu sais, il y en a qui c'est comme... ça date de début 1800, genre. T'sais, tout ce qui reste de toute leur vie, c'est vraiment une inscription sur une roche qui est en train de disparaître elle aussi, man. Fait que c'est comme un petit peu weird. Le Gab, il est l'autre bord du cimetière, il y a à peu près, il doit avoir 3000-4000 tombes. Fait qu'on essaie de faire le tour pour trouver le grave de John McIntyre, pas évident. Ok, là on vient d'aller au administration du cimetière parce que c'est impossible à trouver. Finalement, elle nous a donné une map avec... Hey, là, tu vois à quel point il est gros le cimetière. Elle nous a donné une map avec le pinpoint pour le grave de John McIntyre. Finalement, on a demandé. Elle a dit entre 30 et 40 000 personnes enterrées ici. Tantôt, je faisais la vidéo, j'étais comme, oh, 3-4 000. Et 30 à 40 000, on n'aurait jamais trouvé. Fait que live, on s'en va là-bas puis on va aller voir. Alright, so on a pris le char parce que c'est fucking un gros cimetière comme on a dit. Right here man, la tombe de John McIntyre. Ce qu'on va faire là, on va setter le Rampod puis le Ovilus, puis on va essayer de poser des questions, voir s'il y aurait rapport au feeling qu'on a eu hier au huntings puis tout, au negative energy puis tout. Fait que on va setuper ça man, puis on va voir. Est-ce que tu es avec nous, John? John, are you here with us? Can you show us a sign? Can you say something to us? Request. Move. Encore, dude, move ouais. Comme hier quand on était dans sa tour. Ouais. Alright, so on va respecter la décision. On te remercie de nous avoir parlé peut-être là, puis nous avoir parlé peut-être chez toi. And, rest in peace, man. On est back au Québec. Le trip est fini. Comment t'as trouvé ça, toi? Ben, dans la chambre, c'était de la merde, parce que je me sentais pas bien, mais pour vrai, c'était hot, là, comme tour. Oh, ouais, solide. Ouais, il y a une couple de petits trucs bizarres qui sont arrivés aussi. C'est ça qui est fucké aussi, c'est que c'est pas, honnêtement... Tu sais, de toute façon, on s'attend pas à avoir genre des preuves à chaque fois, puis de toute façon, on s'attend pas à avoir des preuves non plus. C'est, on va là pour comme, tu sais, expérimenter aussi. Ben, c'est le but, c'est aussi de voir là, s'il y a des fonds de vérité à ces histoires-là. Parce c'est qu'il y en a tellement que, tu sais, c'est comme essayer de filtrer. Ouais. S'il y a vraiment quelque chose de weird à ce point-là, parce que, tu sais, si c'est le cas, on veut le vivre. Eh oui, solide, là. Mais la seule affaire qui était fuckée pour vrai, il y a eu une couple d'affaires, mais. Surtout, genre, comme l'énergie de la place, man. Quand tu restes trop longtemps là, man, surtout, tu sais, t'étais pas affecté par la tour, man. C'est lourd, c'est weird, on dirait c'est négatif. Genre, tu pognes des étourdissements, t'es pas bien, genre. On dirait que tu viens de, comme, genre, pas dormir pendant comme 3 jours. Genre, t'es juste vidé d'énergie. Ça, c'était fucking weird, man. Ouais, c'était bizarre. Ça constitue pas une preuve, mais nous, c'est le même qu'on se sentait à côté. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste un feeling, man. Quand même, tu sais, le bout de la caméra de sécurité, genre justement, qu'on voit pendant la nuit, la grosse genre ombre ou le truc blanc, whatever, je sais pas c'était quelle couleur rendu là au pied du lit. Ce qui est weird, c'est que les histoires d'apparition, c'était souvent relié à comme une ombre qui était au bout du lit, tu sais. Ouais, exact. Et comme, en tout cas, la photo qu'on a eue, ça peut être plein d'affaires, là. C'est peut-être zéro relié, mais c'est comme... Ouais. En tout cas, pour nous, on n'a pas trouvé la raison de... Exactement, tu sais, pour vrai, tout le long du trip, on a essayé de comme debunk les trucs, tu sais, trouver ça serait quoi la raison. Puis je trouve qu'on a quand même bien fait ça pour des affaires, puis des affaires qu'honnêtement, on a juste pas été capable de debunk. Parce que nous, c'est ça, on n'est pas genre, on y va, puis oh my god, man, c'est 100% hanté, whatever, ça va être fou, genre. On y va, puis on check qu'est-ce qui arrive, puis si on est capable de l'expliquer, on l'explique, puis si on n'est pas capable, on met pas ça direct, oh my god, c'est des fantômes, c'est juste, honnêtement, inexplicable, puis c'est weird, fait que ça nous encourage encore plus à aller à d'autres places de même, mettons, là. Fait que, sur ce, guys, on se revoit prochainement pour une autre place hantée. Peace.